Bonjour, aujourd'hui nous allons créer une trousse imperméable. Pour réaliser cet objet, il vous faudra un rectangle de toile cirée, une fermeture éclair en nylon de taille adaptée, un petit morceau de ruban de couleur coordonnée, quelques fleurs en sequin pour accessoiriser l'objet, également du petit matériel de couture, sans oublier le pied de biche pour piquer la fermeture éclair. La première étape consiste à fixer la fermeture éclair, endroit contre endroit du tissu, à l'aide de deux épingles, une et deux. Puis, je répète l'opération sur l'autre bord. Voilà, la fermeture éclair est fixée. Par la même occasion, profitez-en pour fixer la petite languette. L'étape suivante est un peu délicate. Attrapez la fermeture éclair, pincez fermement, formez un pli, crampez et créez un pli creux d'une valeur de 5 cm. Ce pli creux sera maintenu avec une petite épingle. De ce côté-ci, toujours un peu de précision, les deux parties métalliques de la fermeture éclair se font face. On les maintient en place à l'aide d'une épingle. On répète l'opération. On crampe. Et on forme le pli creux. Nous venons de fermer les coutures de côté. Et maintenant, il s'agit de retourner la trousse. Petite astuce. Il va falloir sortir le coin de la fermeture éclair d'un petit coup sec pour faire apparaître la partie métallique et avoir un coin net. De ce côté-ci, écartez les coutures, repliez la fermeture éclair et avec la machine à coudre, piquez exactement dans la couture pour tenir la fermeture éclair en place. La trousse a été accessoirisée de broches et de fleurs en sequins. Sa matière imperméable vous permettra d'y glisser votre maillot mouillé.